Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Alors wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais essayer de débloquer les 10€ gratuits que Fortnite a promis en téléchargeant Rocket League gratuitement dans leur boutique Fortnite. Alors déjà, je pense qu'il faudra obligatoirement installer le launcher Epic Game ou sinon vous ne pourrez pas. Donc le launcher Epic Game, c'est tout simplement ça. Alors il faudra un PC et installer le launcher Epic Game. Ensuite, il va falloir vous connecter ici. Vous vous connectez avec votre compte. Avec votre Epic Game, votre compte PSN, votre compte Switch, peu importe, vous vous connectez. Ensuite, vous allez dans Accueil. Attends, dans Accueil, je pense qu'ils vont le montrer. Non, ils ne le montrent pas. Donc, vous allez dans Boutique. Et là, vous avez Rocket League joué gratuitement. Donc là, hop, c'est parti. Je pense que le téléchargement va se faire tout seul. Ou peut-être pas. Il faut peut-être que je clique sur un truc. Voilà, il faut que je clique ici, donc obtenir. Donc maintenant, ça va se télécharger. Je vais attendre la fin du téléchargement. Et je vous tiens au courant de si j'ai les 10€ et comment je les ai aussi. Vous allez payer 0€. Cliquez ici pour partager. Ouais, donc confirmer la commande. Voilà, j'accepte. Ok, j'accepte. Donc voilà, merci. Je vais regarder dans mes mails pour voir quand j'aurai terminé de télécharger. Ah voilà, directement, regardez. Bombe disponible, vous venez de recevoir un bon de 10€. Donc hop. Je vais juste regarder le bon. Si on voit le code, je couperai le moment de cette vidéo. Attends, deux secondes, je clique sur voir le bon. Ok, donc là, j'ai bien mon coupon. Je descends, condition d'utilisation. Alors, la condition d'utilisation, je vais le lire, deux secondes. Ok, je viens de lire les conditions d'utilisation. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être déçus, donc moi aussi, je suis déçu. Alors, l'événement à durée limitée, vous ne recevrez des bons Epic Games pour la commande de Rocket League que jusqu'au 23 octobre, donc 17h. Donc, jusqu'au 23 octobre, 17h, vous pourrez débloquer le code, le coupon Epic Game de 10€. Alors, le code promo de 10€. Alors, le problème, c'est que, donc, ouais, le bon s'expire le 1er novembre 2020. Donc, le bon est valable à plus ou moins un an. Voilà, ok. Alors, le problème, ah non, même pas. Expire 2020. Ah ouais, c'est 2020, pas 21. Ah ouais. Ah ouais, ok, vous avez un mois et quelques jours pour utiliser le bon. Je pensais que c'était 2021, mais non, c'est 2020. Au 1er novembre, le bon s'expire. Donc, tous les bons qui n'ont pas été utilisés, ils seront expirés. Alors, le problème, les mecs, c'est là. Offre, ça c'est la phrase là qui pose problème. Offre non valide pour les précommandes, donc ça on s'en fout, ou pour d'autres achats tels que des achats en jeu. Par exemple, des V-Bucks ou autres devises. Donc, en fait, on ne peut pas acheter de V-Bucks. On ne peut pas acheter sur Rocket League. Je sais pas c'est quoi sur Rocket League, mais je ne sais pas encore. On ne peut pas acheter de la monnaie virtuelle sur les jeux d'Epic Games. En fait, le bon, il n'est que valable pour acheter un jeu, n'importe quel jeu, sur l'Epic Store. Donc, voilà, sur Epic Games. De toute façon, on ira juste après. Donc, on peut acheter n'importe quel jeu. Mais il faut que le jeu coûte minimum 15€ pour avoir la réduction de 10€. Ok, donc si on a un jeu dans l'Epic Game Store à 15€, eh ben nous le payerons que 5€ grâce à ce bon. Donc imaginons, on va sur l'Epic Epic Game Store et regardons ce qu'ils ont en vente. Donc, voilà. Par exemple, si je veux ça, Castle Storm, j'achète ça et je l'aurai pour 6€. Ou alors celui-là, Crisis, The Dungeon of Neblum, je sais pas quoi. Ça c'est gratuit, bientôt disponible. Jeu gratuit. Là, on peut acheter GTA. Donc c'est surtout pour les gens de PC, quoi. Ça c'est un peu un problème, quoi. Parce qu'en fait, le truc c'est que on peut pas l'utiliser sur console. Si j'achète par exemple GTA sur PC, je l'aurai pas sur console. Donc ça c'est un peu un problème. Et je peux pas acheter des packs non plus. Je ne pense pas. Attends, on va essayer d'acheter un pack pour voir. Peut-être je peux acheter. Ah, regarde. Le pack, il coûte 15€. Ah, peut-être on peut acheter. Ah, si on peut faire ça,
c'est une bonne alternative. Déjà, ils mettent pas. Donc, attendez, je vais essayer un truc. Si j'achète un autre jeu, si j'achète par exemple, moi, je sais pas moi, ce jeu-là, est-ce qu'ils vont me décompter directement les 10 euros de mon code promo? Voyons voir. Ok, en fait, je ne peux pas. Vous voyez, là, ils me décomptent directement mon bon Epic de 10 euros. Mais par contre, quand j'essaye d'acheter le pack, ça ne fonctionne pas. Ah là là, c'est la merde! Oh, c'est la merde! Putain, je suis dégoûté quand même. Ben voilà, hein, moi je suis pas un très grand joueur PC, mais en plus, ben voilà, hein, c'est décevant, c'est décevant. Je pensais que j'aurais pu avoir 15 euros de V-Bucks, acheter le pack et tout, et avoir une réduction de 10 euros, mais en fait, non, pas du tout, on peut pas. Donc c'est vraiment dommage, je pensais qu'on pouvait profiter des 10 euros, mais voilà. Mauvaise nouvelle, les potos, on ne peut pas. Utiliser les 10 euros sur console. La seule façon de les utiliser, c'est sur le PlayStation Store. Enfin, c'est sur le Epic Game Store, excusez-moi. Sur PC. Et vous devez absolument acheter un jeu. Donc voilà, il n'y a pas de solution, les potos. C'est dommage. En tous les cas, voilà, je vous ai tenu au courant de ces 10 euros gratuits qui ne sont pas forcément utiles pour nous parce qu'on est joueur console. Mais bon, pour ceux qui sont joueurs PC, si vous passez par là, bah. Voilà, vous avez 10 euros gratuits automatiquement sur la boutique de PlayStation... putain, pas de PlayStation, mais de Epic Game Store. Si vous avez bien sûr téléchargé Rocket League avant le 23 octobre. Et il faudra utiliser le bon avant le 1er novembre 2020. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura bien informé, j'espère. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur Cool Mec. Ciao. Peace.